Comedy Pop, Filigrane et Filler Nooch. On est au Bootlegger pour la saison 3 du Word Up X. Quand je dis Word Up, vous dites X. Word Up X! Les choses se super passent avec une cape. Je suis vraiment down avec ce match-up. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Dès qu'on a pensé à ça, on voulait le voir happen le plus vite possible. Deux fous MCs. Vous êtes là? Oui! Ma joke de roche-papier-ciseaux, ça vous apprendra à pas venir dans les shows. Suivez-nous sur Patreon. Si vous êtes sur Vimeo, c'est encore mieux. Moi, je suis prêt. Let's go! À ma droite, je te laisse te présenter. Madverb, let's fucking go, man. Yeah! À ma gauche, c'est Flower! Nouveau prince du mid-tier. Ça me fait vraiment plaisir de battle Madverb. C'est un gars qui est en bas de moi dans le classement. Ça fait plaisir de te donner cette chance-là. Mais ne manque pas de temps. Je suis underdog. No pressure. Je suis même pas dans le classement. C'est tellement cheap. Je vous dis que je vous aime. J'ai fait 3 battles. Mais pour fuck, guys. Mais OK. T'es à droite, pile ou face? Face. C'est pile, évidemment. Tu commences où il commence? Je commence. All right, quand je dis Word Up, vous dites X. Word Up! X! All right, let's get it. So, ils m'ont pas mis au Word Up 15. Mm. Ils ont préféré laisser Lio en cage. Mm. Ils auraient dû savoir que tu peux pas garder un Lio en place. Il me laisse sur ma faim, mais je me lèche la patte, mais impossible que je me laisse abattre. Parce que je pitch, c'est tellement ice cold que toutes leurs lampes se virent en glace. S'il y a du monde qui me trouvait bon, ben, soir, je m'en viens transformer leur opinion en fax. Yo, Madverb, dans Battle Rap, c'est un monument, pis faut que je te dise, j'ai un penchant pour toi comme la tour de piste. Sauf qu'à soir, c'est ton dernier tour de piste. En ce qui me concerne, c'est que le meilleur est à venir, mais pour toi, yo, everything's going downhill. Yo, don't get me wrong, chacun de tes clashs ont laissé un impact, un parcours impeccable, une fiche presque intacte. Tout ça pour te retrouver au bas d'une carte, entre un battle de Meursault et Audate. T'avais legit tout pour être le best. Les bars, les angles, le cleverness. T'aurais pu vaincre 90% de la ligue sans stress. Mais t'as jamais été capable de vaincre ta propre paresse. Tu reviens donc parricide, que je te parricide. Tu te fais kill par ton profit, c'est that some fucked up shit. First thing first, je tue le vieux Chris. Après ça, je fous sa bitch comme le mythe 2 dip. So fuck Madverb. J'y mets mon pénis s'élève. Oh! Et soudainement, ben mon pénis s'élève. Oh! Tu veux savoir pourquoi j'appelle mon pénis l'élève? Parce qu'à soir, vous allez voir, ben l'élève dépasse le maître. Oh! Oh! Is something you're gonna have to deal with? The premier round, let's get it! Yo! Honey gang, let's go! Je te dis à Bouchard, t'es pas un gangsta criminel cynique. T'es juste une victime de criminalité cyclique. Man, fuck tes analyses de sociologue en chef des white privileged kids. La seule criminalité cyclique qu'il va avoir ici, ça va être parce que tu vas te prendre 3 rounds violents de suite, bitch. Yeah. Rien à foutre de Skid, où je fais que des classiques, une vraie machine à hit. Lui est juste un trophée de plus à ma fiche, donc je me contre Chris. Fait qu'à soir, pas de chemise, ni de pantalon chic, je m'en viens ramasser Félix en coton ouaté comme Simon Clich. What's up? Quand j'ai vu un gars au talent limité avec autant de confiance, j'étais estomaqué. Une chance que t'as pris de l'assurance parce que tu vas finir endommagé. Fuck, c'est sûr. C'est sûr que le doute, je lessive. Parce que pas de doute, j'ai les skis. À soir, je spray ce fruit comme un push de Febreze. Vaporisation, boy. C'est l'heure de ton exécution, boy. Moi, je fais rien. C'est la machine qui s'en occupe. Ça, c'est de la robotisation, boy. Là, c'est place à la base. Ton facteur place, ton plastron, puis ton casque, mon garçon. Parce qu'il manquera pas d'axe. Son body bag, ce pussy pass qui stresse et de se battre. Juste si Smollett attaque, ce sera pas du fin que je vais agresser cette fague, toi. Souvent, tu passes, t'as graissé des packs. Fait que moi, je vais graisser la plate, puis enchaîner les bullet back to back to back to back. Call me God. Sunglasses at night comme Corey Hart. Balling comme un fucking boss. Cash grind, je peux faire des flips de 1 million comme à Tony Hawk. Holy fuck. J'ai même appelé mon gun chrome parce que c'est un des meilleurs de la bise. Puis pour le craquer avant le ballon, j'ai dit Factual to win.
Fait que mid-wash ton bitch ass. Je visais, je vais faire. T'es venu de ton bitch ass. J'ai pratiqué mon visage. J'ai visé juste ton visage. Wow, ok. J'ai visé juste ton visage. Je vais faire une pause sur l'image. Préparer mon cou et tirer comme une fucking girafe. Fuck. God damn. Là, il se rend compte qu'il y a une petite différence entre notre pain game pis que c'en est embarrassant. Il aurait du fait que Bouchard est allé en tôle pis il a fait du temps. Mais ironiquement, en ce moment, c'est lui qui a le goût de mourir en dedans. Fuck. Tira! Yo. Ça, c'est pas bien. Wouh! On passe au round 2! Dos à dos, là. Attention! Wow! Alright! Tous sont bien faits des fois. Et on sait, comme il a dit, Flower est habitué à dig du dirt sur ses adversaires, mais contre Matt Verb, rien à faire. Cet style-là est fucking trop clean, c'est clair qu'il cache de quoi. Genre, si tu fuck avec lui, c'est clair tu caches de quoi. Explique-moi donc pourquoi Frank de Mixmania, il a la même face que toi. C'est fucking louche. C'est fucking louche. Mais bon, je laisse le bénéfice du doute. Ça me pousse à bout, puis je suis incapable de trouver du dirt sur Bourg. Mais tu me laisses pas le choix. Comme il manque de faits sur toi, il faut que je défecte sur toi. Yeah, sur mon Michel Richard shit, parce que je m'en viens chier un gros tas de marde. Mix avec Michel Rivard, parce que ça va faire des beaux dommages. Va tellement de shit dessus, tu vas avoir besoin de papier toilette partout sur le corps comme une momie d'un sarcophage. Le twist in mind, je suis sur d'autres genres de choses, je vais tellement donner le pink eye que tu vas voir la vie en rose. Sur ton ass, des bois top comme un enema. So technically, you ain't got shit on me. Moi, tout ce que moi, chaque jour, je porte des couches. Cause I keep that shit on me. Je pense pas que tu comprennes. J'ai la maladie de Crohn, man. Je rope un 2-3 fois par jour. Yeah, j'ai des sels épicés. Parce que quand je vide mon. Je rope un 2-3 fois par jour. Yeah, j'ai des sels épicés. Parce que quand je vide mon pepper, c'est comme du pepper spray. Et là, le line de filigrane, like. Apporte-moi un gros match-up, je m'en torche. Yeah, c'est ce que j'ai dit à Ray. Me. So, thanks pour le cadeau, Philly. Tu vas voir qu'I'm really with the shit, c'est de la scatophilie. Ben trop spit de real shit, je commence à me sentir dirty Chris. Une question, finir sur une bonne note. Avant le battle, je me suis fumé une bonne clope. J'ai calé un grand latte, question de pousser une bonne crotte. Je me suis même pas lavé les mains avant de te checker ce prop. Ok! On est toujours pour Matt Burr! Matt Burr! Caca dans l'aile! Yo! Je suis trappé à l'hôtel! Yo! Je suis trappé à l'hôtel! Le gars est tellement prédictible! Il va essayer de me déconstruire, mais je suis indéconstructible! Beau, bon, pas cher, style irrésistible! Tu me sens très féminine, puis c'est même pas subtil. De sérieux, de fuck is this shit. Un flou qui se prend pour un animal, ça c'était soap opéra au Canal Famille. Wow! Y'en a gros qui se demande si c'est une fag. Même sens, pas dur à catch. Il est toujours avec plein de belles filles, mais y'en a pas une qui se tape. Parce qu'en lui, y'a un désir pour un dick qui brûle, mais on le voit dans sa face. Puis ça, il peut pas l'éteindre, même s'il s'entoure de petites vaches. Fuck! De fait, un round complet à faire semblant d'être homo. Yes. Bravo, mais perso, je trouve pas que c'est le genre de choses sur lesquelles on devrait faire les jokes. Je trouve qu'en tant que battleuse, on doit être un modèle pour les jeunes. Je pense on doit être un modèle pour les jeunes, puis je pense qu'on a un rôle. Je pense que c'est important de leur faire comprendre qu'être gay, c'est vraiment pas drôle. Arrête de faire ton petit clown. Yo, je sais que t'as fait ça pour dénoncer l'homophobie ambiante, mais tu sais quoi? Les gays ont pas besoin de toi pour se défendre. On se crisse de tes messages pis tes prises de conscience. C'est quoi? L'extrême que tu vas battle de sage pis faire un round en chaise roulante? Fuck! T'es pathétique du con. Toujours en mode déconstruction. Il peut pas s'en empêcher, même quand sa grand-maman vient à la maison, il est comme « Shut the fuck up, mamie! J'ai honte que tu sois ma grand-mère! Mais si je vois que de même, c'est parce que je suis victime de médiocrité héréditaire! » C'est bon. Quel fascinant personnage. À chaque battle, il arrive avec un nouveau star. Casual contre Coco, Jacket Rose contre Bouchard, Salopette au Multiply. The fuck is that?
Pour tenter de comprendre, il a fallu que je ressorte mes livres de psycho du collégial sur la théorie psychanalytique freudienne puis l'approche behaviorale. Okay. Je suis tombé sur le concept du moi, du ça puis du surmoi puis j'ai trouvé ça pas mal fly. Ça m'a permis de comprendre tous tes changements de style. Ton ballon de coco, c'est ton moi. Oudi noir, classique, le Félix normal. Ton ballon de kombucha, c'est ton ça. Gay shit, jacket rose, tes pulsions animales véritables. Enfin, t'as le surmoi, qui est un mécanisme de défense mentale contre le ça, d'où la salopette au multiply. Un style bûcheron qui, dans l'imaginaire collectif, représente un symbole viril de nos patriarches. Mais bon, je veux pas faire un long exposé oral. Tout ce que j'essaie de dire au final, c'est que t'es juste un gars normal qui essaie d'avoir l'air bad, mais qui, au fond de lui, est une fucking pédale. That's it. Yo! Ton temps est fini, mais je suis curieux, ça va. Ok, time! C'est le troisième round! Donc, si juste moi ou à chaque event, on voit des vêtements qui ont peur de devenir irrelevant. Nouvelle époque sur climate change, on est incapable de keep up avec le hit qu'apportent les nouveaux phénomènes parce que le new kid le fait comme le phénomène. T'es trop jeune pour être dans le X-Gen, mais clairement trop vieux pour être au X-Dem. Feels bad pour ce soi-disant vétéran qui approche la crise de la quarantaine. Too sick with it, moi je crise vite en quarantaine. En fait, me battle, ça va peut-être te rajeunir. Si on se fie au classement et tu vas retourner début vingtaine. Sérieux, fuck ce half-bin, je vais crier Kobe, mec, je throw on trash bin. Quand on parle de toi, mec, c'est toujours au past tense, goddamn. Moi, je suis un kid de la crise du Verglonier en 98, man, I'm way too cold. So, quand je drop la sauce, c'est pour mes 90s kids, ça c'est du ketchup mauve. Vous auriez dû savoir que c'était pas vraiment un proverbe comme ceux du capitaine Charles Patnaud. Donc, t'es rien de plus qu'un petit comique, un pseudo-humoriste, un fucking clown comme Philip Bounce. So, it might sound like a prank, but don't get it twisted. The flower let it spray sur le chest du clown, then it makes you the victim. So grosso modo, t'es un esti de bozo, un frozen pogo, mon petit Ronald McDonald. Je viens te kill avec brio. So fuck un joyeux festin, le kid mérite son 3-0. Resalut, faggot. Checkez là, ceux qui pensent que personne peut le test, qui est le best. Chez eux, il est devant le miroir, puis il check. Bombe son chest. Pratique sa face de gars unimpressed. Après, il passe des heures dans sa chambre à spit son texte. Sa môme l'entend gueuler ses lignes de pédo contre Québec 16 pendant qu'elle écoute La Semaine Verte, comme moi. Sérieux? Sérieux, fuck cette bouse. À soir, il va tellement se prendre de coups qu'il va finir avec deux gros joues comme une poupée bouchou. Yeah, bitch, stop it, sinon je get stoop. Sur moi, j'ai quoi de métallique, pis c'est pas pour les doux. I got a firearm comme James Hetfield au stade olympique en 92. Ben, sérieux, crise de fils à papa. Next time, pendant tes cours de golf privé, ben que tu te promènes en kart avec les autres fuckers, tu peux me catch dans le bunker avec le sniper. Je vise la tête du chauffeur. C'est un long shot, mais je pogne le sweet spot sur le driver. Yeah, après je m'approche du kart. Sors la chaîne sur Pilassi pour démembrer les corps. Il faut que ça rentre dans le char, mais oh shit, y'a Félix qui est à terre, pis il est pas tout à fait mort. Fait que ben que je slice dans le bois, il va crier fort. Wow! Yeah! D'habitude, j'suis un gars pacifique, mais en soir, cherche-moi pas. Sinon, après le clash, t'amène dans le parking lot, pis on règle ça là. J'accote ta face sur un truck, j'suis en mon piece, pis pow, j'fais une peinture de flowers sur un Westphalia. Let's go! Ok, dans mes clashs, all the gat and all that, mais j'ai jamais fait à semblant que j'étais about that life. Still, je viens d'un village où il y a bien éveillé, ça finissait en claque. Fait que tu peux faire ton tough guy, je m'en sac. Je sais que t'as jamais saigné du nez parce que t'es né dans Watt. Tu catch? Yo. Anyway, moi je fais ce que je veux dans ce rap jeu. Tu sais jamais à quoi t'attendre d'un pattern de mad verb. Je peux rire de ta gueule, je peux décortiquer ta gueule, je peux exploser ta gueule, je peux go full Freud sur ta gueule, bro. Lui il passe les récits pour régler des comptes, man. A stick est lame. Fuck toi, ton hostie d'air fendant pis ta vie de cégepien. Fuck tes memes qui parlent de comment t'es dans le rush à fin de session. Fuck tes brosses le mardi, je travaille moi, Chris. Fuck
Fuck ta petite popularité dans ton petit cercle d'amis qui trouve que t'es tellement malade, le gros. Hey, regardez le battle de Félix Belflore, ma man, wow, t'as tout pété. Hey, fuck you. Fuck you. Fuck tes voyages au Cambodge pis tes tours d'éléphant, d'eau, des calices. Ouais. Yo! Il va essayer d'analyser pourquoi je fais du battle rap, qu'est-ce que ça m'apporte, bro. Tout le monde le sait qu'on est payé des peanuts. Fait que c'est parce que j'adore envoyer chier des gens comme toi que je fais encore ça pour le love. Yo, c'est Parka, votre grand rappeur préféré, je l'espère, peut-être pas. Il y en a d'autres. Anyways, on va juger le battle de Madverb contre Flower. Je veux pas être ultra précis. En gros, je pense que je préfère Madverb. Je trouve qu'il a mieux fait son Madverb. Je le sentais plus inspiré. Flower, j'ai l'impression qu'il savait pas exactement comment bien attaquer Madverb. Madverb, il rappe vite par bout. Bon, il y a eu un petit slip-up, ça a un peu d'effet l'effet, mais c'est dope. Il montre un peu comment il est technique. Après ça, il fait des explications d'analyse psychologique. C'est varié, je sors plein de shit. C'est pour ça que je lui donne le battle avec un bon edge. So, pour moi, c'est Madverb. Cheers! Yo, it's your boy Chrome. Je suis ici pour juger le battle de Madverb contre Flower. Fou battle, je suis vraiment content de voir Flower avoir ce genre de look-là. Un vétéran, un gros nom de la scène du Word Up. Je parle de Madverb en ce moment, évidemment. Je trouve que c'est vraiment cool que l'organisation ait donné cette chance-là à Flower de se prouver contre un gars aussi bon que Madverb. Je pense que Flower a absolument fait ce qu'il avait à faire dans ce contexte-là, dans le sens où ce qui est arrivé avec une très grosse performance. Tu sais, ce gars-là, on voit qu'il s'améliore à chaque battle. Par contre, il faut que je donne le battle à Madverb. Le gars était juste incroyable. Il faut qu'on commence à parler de Madverb avec plus d'enthousiasme, plus de praise. Le gars, d'après moi, est facilement top 10 dans la ligue en ce moment. Puis je dis facilement parce que je pense que c'est clair, là. Après la performance qu'il a faite contre Flower, écoute, il y avait tout dans ses rounds. Il y avait de l'humour, il y avait des bars, il y avait de l'introspection psychologique. Écoute, c'était incroyable ce que Madverb a fait. Je pense qu'il voulait vraiment pas perdre contre Flower. Il l'a vraiment pas pris à la légère, puis ça l'a paru. Dans tous les cas, really dope battle. Really, really dope battle. C'était très solide des deux bords. Mais il faut que je donne ça à Madverb. Au moins 2-1, peut-être 3-0 Edge. Mais j'ai vraiment aimé le deuxième round à Flower. Je le donnerais 2-1 à Madverb. What's up, votre boy Witness encore. Madverb avec Flower, je l'ai donné à Madverb. Je pense que deux rounds que Madverb a été au-dessus. Pour être très précis, le premier round, je l'ai donné à Flower. Il est arrivé vraiment flawless. Il n'y a eu aucun slip, il me semble, dans son premier verse. C'était vraiment fluent. Il a pris le crowd, il était agressif. Son truc était très, 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 très intelligent. Attends un peu, j'ai des notes ici. Il y a beaucoup de multisyllabes, j'ai adoré. Son truc de tour de piste, parasites. En fait, c'était fou, ça. Le truc de pénis qui dépasse le mètre. Wow, OK, vraiment wow. Son deuxième verse à Flower, quand il a dit qu'il ressemblait à un boy de Mixmania. Yo, j'ai aucune idée, Mixmania, j'ai jamais regardé, mais c'était incroyable. La réaction était tellement folle, ça vibrait partout. Vraiment, big up, big up, big up. Je vais parler un peu de Madverb. Sérieusement, quand le battle a commencé, je me disais que, en fait, en regardant le premier verse à Flower, je voyais pas comment Madverb réussirait à avoir le dessus. Surtout qu'il a commencé, puis qu'il y a eu des fois des petits slips, tu sais, j'étais comme, damn, mais non, man, Madverb est arrivé avec du gros stock, là. Le truc qui essayait de prendre la place des pas de la place, mais de prendre le bac des homosexuels, puis qu'il avait pas besoin de ça, tout ça, c'était extrêmement intelligent. I fuck with that. So, that's it, guys. Madverb, Dora, et ça. Right, fait que encore PK pour Flower Madverb cette fois-ci. Fait que c'est un battle, encore une fois, extrêmement dur à juger. Là. C'était du gros niveau des deux. Les deux étaient super contents de leur performance. Ça a été ficelé, ça a été solide. Du premier round, deuxième round, troisième round. Il a fallu que je tranche quelque part, encore une fois. T'sais, j'ai trouvé que Madverb, son pattern sur le moi, ça m'a frappé, ça m'a touché. J'ai connecté là-dessus. Fait que Woodling, comme c'est super tight, mais il faut que tu tranches quelque part. Ça a été ça qui me fait trancher. Mais Madverb, j'ai trouvé qu'il s'est confirmé. Non, il s'est affirmé. Puis j'ai trouvé que Madverb s'est confirmé. Tu sais, on avait des attentes par rapport à Madverb parce qu'il commençait à avoir un certain statut dans le game. Là, il a réussi à le confirmer. Puis Flower, c'était son point
gros match-up, puis on était tous curieux de voir qu'est-ce qui était pas arrivé, puis il a tenu tête, puis c'est super tête, puis il aurait pu gagner. Quelqu'un aurait donné une victoire, j'aurais pas chialé. On est de retour avec la décision des juges. Si vous voulez talk shit un petit peu, suivez-nous sur Facebook, le groupe secret privé. Word up, speak up. Ça va me faire plaisir de personnellement ban vos ass. Nice. Join and get banned. Word up, speak up sur Facebook. On a la décision. C'est unanime. 4-0 pour Matt Burr. Yeah! Faites du bruit pour les MCs! Yeah!